Ouais, il a réussi des choses grandioses, ce soir, mais bon, vous n'avez pas pu empêcher, tu n'as pas pu empêcher le, voilà, le 5-0 derrière, parce que je sais pas, c'est dommage parce qu'on a une analyse qui est tellement terrible de ce match. On pensait que vous avez fait une superbe rencontre, à la sortie vous perdez 5-0, donc comment l'expliquer? Ouais, je pense que ouais, on était venu ici avec de belles intentions. Après, voilà, je fais le pénalty qui coupe un peu les jambes de tout le monde. Voilà, on a quelques opportunités aussi pour revenir à la marque avant la mi-temps, on le fait pas. Puis on a aussi des grosses occasions en début de deuxième où on doit être plus tueur. Et puis après, bah voilà, face à des équipes comme ça pardonne pas et on l'a payé très très cher. Je pense que vous avez manqué de cet équilibre à un moment. Vous avez beaucoup tenté, vous avez beaucoup joué, en oubliant peut-être à un certain moment qu'il y avait des Mbappé ou des Neymar en face qui allaient à 200 à l'heure. Ouais, je pense qu'il fallait. Voilà, on était venu ici pour essayer de jouer notre jeu. Après, on savait leur force, on savait que s'ils récupéraient vite le ballon, ça allait être compliqué pour nous parce qu'on allait subir des contres et avoir pas mal de face-à-face contre nous. Mais voilà, on n'a pas été au niveau, surtout en deuxième période. Et voilà, c'est assez chaotique parce que le 5-0 est très sévère. Enfin, très sévère pour nous. Enfin, voilà, 5-0, ça fait beaucoup. Mais voilà, maintenant, il va falloir se reposer pendant la trêve, remettre le bleu de chauffe et retourner à la guerre. Vous allez le faire, vous êtes un leader, vous allez occuper de ça. Il faut y aller, voilà, faut pas baisser les bras, surtout maintenant. Voilà, il faut continuer à travailler, régler ce qui n'a pas été bon et continuer sur les choses qui ont été positives. Maintenant, voilà, on sait qu'on a pas mal de choses à travailler, il faudra continuer à travailler comme travail aussi à l'entraînement durant la semaine et voilà, être très performant le week-end pour rattraper le podium. Ok, je te remercie, merci à toi, ta classe, merci. Ouais, beaucoup de plaisir. On a vu votre joie sur le banc avec le public, communier avec tout le monde. Quand on est entraîneur, quand on vit une soirée comme ça, c'est superbe, c'est fantastique. Hein. Oui, c'est fantastique, c'est incroyable. C'était super dur dans les premiers mi-temps. Un match fou. Très très dur pour nous parce que Lyon a joué avec beaucoup de qualité, beaucoup de confiance. C'était super dur et après nous devons jouer avec 10. Et après, deuxième mi-temps, 10 contre 10. Quelle mentalité et quelle qualité, c'était incroyable. Hein. C'est ça que vous aimez dans votre équipe, aller à votre image un petit peu, aller au bout de soi-même. C'est beau quand une équipe va au bout de soi-même. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le plan tactique, technique, mais votre équipe a été au bout de soi-même ce soir. Oui, nous sommes restés ensemble aujourd'hui et j'ai dit à la pause, reste calme, mais on doit améliorer, de défendre, reste en bloc et prendre le ballon parce que c'était... pas bon en premier mi-temps et avec ça nous avons eu beaucoup de confiance et beaucoup de mentalité incroyable. Elle vous a étonné votre équipe ce soir? Est-ce qu'elle vous a étonné votre équipe ce soir? Est-ce que vous pensiez qu'elle pouvait faire ce qu'elle a fait ce soir dans le jeu, dans l'esprit, dans tout ce qu'elle a fait ce soir? C'est quoi? Non. Pas, ouais, non, not surprised. Pas, c'est quoi? Pas surpris parce que je sais qu'ils sont capables de choses spéciales et ils jouent comme une équipe, ils travaillent comme une équipe de quelques semaines maintenant et c'est vraiment un cadeau et c'est extraordinaire aujourd'hui. Vous avez l'air de prendre un plaisir énorme. Vous avez l'air de prendre un plaisir énorme, vous êtes heureux, on a l'impression que vous êtes heureux. Oui. Et vos joueurs sont heureux aussi. Oui, les joueurs. Ouais. Non, mais oui, mais c'est mérité. Ouais, c'est mérité. À tous les cas, il n'y a rien qui vous arrête. Votre équipe, elle prend les points, elle gagne les matchs oui. Et elle marque des buts. Parce que le football, c'est aussi marquer des buts. Oui. Le football, c'est pour moi, c'est pour marquer des buts et pour attaquer. Si tu as le ballon, tu dois attaquer. Si tu n'as pas le ballon, tu dois attaquer, tu dois récupérer. C'est comme ça. Et à Paris, tu dois jouer offensif, c'est mon avis. C'est beau en tous les cas, merci pour cette soirée, merci encore une fois.